Salut Jérémy. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, tu as sorti une machine expresso domestique, mais là on est plus sur de la milieu de gamme sur ce produit. Alors c'est quoi que tu as sorti? Alors je t'ai sorti une Aircraft. Donc Aircraft, le modèle AC700. Donc AC700, parce que Aircraft ils sont assez familiers, leur numéro de vol ça correspond à ce qu'il y a sur la machine. Donc AC700, ça veut dire que c'est une porte-filtre en 57. Pour le 7. Pour le 7, et les 2-0, c'est qu'il n'a pas de manonipide, et il a pas de manonipide. Et c'est ça, et on est sur AC, parce qu'il n'y a pas de moulin. Parce qu'il y a également dans la gamme Aircraft hein, des machines avec moulin intégré. D'accord, donc ça c'est vraiment la entrée de gamme. Là on est sur l'entrée de gamme de Aircraft, mais on est déjà proche de la cour des grands. D'accord, donc le Aircraft, quelque chose sur l'Aircraft quand même, c'est une marque italienne qu'on connaît assez bien parce qu'ils sont venus nous voir pour nous demander des conseils sur leur machine. Parce qu'ils savent qu'on passe pas mal de machines en test ici. Du coup, ils ont surtout demandé à Jérémy des petits conseils sur comment améliorer leur machine. Donc, déjà, pourquoi tu as sorti cette machine? Alors, pourquoi cette machine? Parce qu'on est sur déjà une machine qui est évolutive. D'accord. Tu le vois là. Non, on aime beaucoup les machines évolutives ici. Ça permet d'apprendre l'espresso avec la machine. Exactement. Donc, c'est très bien. Sur le pur style italien, espresso bar tout inox, carré, vraiment. C'est vraiment tout inox, côté bac, c'est tout fin. Et surtout, vu qu'on a pas mal développé avec eux, on a des petits points qui ont leur importance. Hein. Je te les montrerai au fur et à mesure, mais il y a pas mal de petites choses à relever qui sont vraiment intéressantes. Ok, ben on va faire le tour de la machine et je vois que tu as sorti un pichet de lait, je vois qu'on a plein de tasses, donc on va faire quelques cafés aussi. C'est ça. Alors, on ouvre la trappe magique. Accès au réservoir d'eau. Ouais, réservoir d'eau qui est super lourd. Qui est super lourd. Maintenant. On a 2 litres 7. 2 litres 7, c'est. Ça va passer un moment avant de le remplir. Et on a une petite cartouche filtrante au fond. Donc, toujours, on le dit à chaque fois, très important de filtrer l'eau sur sa machine. Et pour le résultat en tasse et pour l'entretien de la machine. Parce que ça va enlever vraiment tout ce qui est saleté dans l'eau. On voit aussi sur le côté, pas dit, on tire indication d'eau. C'est vraiment assez utile. Voilà, donc on a un accès visuel au réservoir donc, qui permet d'évaluer un petit peu la quantité d'eau qui nous reste. Après, on est sur le dessus toujours traditionnel, le chauffe-tasse qui récupère la température. Donc on est sur un passif qui récupère la température du système de chauffe. Le système de chauffe, en l'occurrence, une chaudière. En l'occurrence, en laiton. Et de 25 centilitres. Ce qui est déjà trois points là-dedans, c'est déjà un système de chauffant de chaudière, ça veut dire que la machine va. C'est une des meilleures stabilités thermiques sur le marché, mais vraiment, en chaudière, tu ne peux pas être mieux. Sur la quantité de 25 centilitres, c'est une bonne taille par rapport à la machine, c'est même un petit peu plus grand qu'on voit d'ailleurs sur les machines. Et aussi que ça soit en laiton. En laiton. C'est ça le point intéressant. Parce que c'est ce que Aircraft font. Ce que vraiment on aime beaucoup, c'est que c'est sur les matières qu'ils prennent. C'est l'inox pour tout ce qui est nettoyage, le laiton pour la stabilité thermique. C'est vraiment réfléchi comme une machine professionnelle, mais pour la maison. Et donc, on passe sur l'avant. L'avant, très simple. Très simple. Trois boutons. Trois boutons de LED. Elle est en marche, elle est chaude, vapeur, extraction. Il n'y a rien de bien compliqué. Non, super simple. Mais on va également passer sur l'avant en... Sur la porte-filtre. Retirant le porte-filtre. Donc, porte-filtre en laiton. En laiton. Pour la stabilité thermique, très important, qui n'a pas de filtre dedans. Est-ce que tu les as tous sortis? Voilà, explique-nous les filtres. Ils sont tous sortis. Porte-filtre en laiton, stabilité thermique. 57 mm, presque professionnel. Ouais, c'est important de dire que c'est presque professionnel. Ouais. Parce que on a des machines pro qui sont sur du 58, donc il y a un choix de filtres, un choix d'accessoires qui sont dessus. Du 57, il y en a moins, mais il y en a toujours pas mal de choix de filtres et d'accessoires pour du 57. Donc là, tous ces filtres viennent avec la machine? Alors, tous ces filtres sont avec la machine. On va commencer par le premier, le plus proche de toi. Là, on est sur le filtre pour les pods. Donc les pods, je rappelle, c'est les dosettes ESE. Oui, donc c'est vraiment... C'est les dosettes dures. Oui, donc c'est presque, tu peux traiter ça presque comme un capsule. Donc vraiment, si tu ne sais pas vraiment tirer un espresso, tu ne sais pas régler un moulin, tu ne sais vraiment rien, tu peux mettre un pod dedans, sortir quelque chose de correct, bon. Ouais. Et tu as un joli résultat en tasse sur la machine. Next, on a quoi? Le prochain, café moulu, une dose. Oui, classique. Normal. Et là, on a deux filtres. Donc le premier avec autant de trous à la sortie qu'à l'entrée.
Donc là, on est sur le filtre pour deux doses de café moulu. Standard. Et le filtre avec beaucoup de trous à l'entrée et un seul minuscule trou qui se situe ici à la sortie. Donc là, ça, c'est le filtre pressurisé. C'est le filtre pressurisé, donc avec sa chambre de compression qui est juste ici et qui permet donc de mettre sous pression le café. Et d'avoir un résultat qui est un peu lissé pour corriger des éventuels problèmes sur la mouture. Et bien ça, on va le voir dans quelques secondes. Juste un petit point. Écoute, je vais te laisser faire un petit point sur le petit filtre aveugle. Pendant ce temps-là, moi, je mets ma mouture pour le filtre pressurisé. D'accord. Mais le filtre aveugle, ce qui est intéressant sur ce filtre qui est vraiment aveugle, on dit aveugle parce que c'est zéro trou, c'est que ça permet vraiment de nettoyer la machine en profondeur, parce que s'il y a un filtre aveugle, ça veut dire que c'est une machine qui a une troisième électrovalve. Et du coup, ça va permettre qu'on va essayer de faire une extraction sur un filtre aveugle, ça va renvoyer l'eau sur la groupe, et ça va le rejeter dans le bac d'évacuation. Et cette troisième électrovanne, ça permet non seulement le nettoyage du groupe en profondeur, avec un petit produit, un petit cuillère de produit qu'on met dedans, et ça va mousser, ça va vraiment enlever tout ce qui sont les huiles de café, etc., qui ont pu se déposer sur le groupe. Mais aussi, le troisième électrovanne, ça va permettre de dépressuriser la galette de café une fois que l'eau a passé dessus, pour avoir une galette qui est plus sèche et du coup plus hygiénique. On n'a pas cette boue de café à la fin. Et aussi, ça permet d'avoir une extraction plus régulière en même temps. Et un troisième point, mais qui est complémentaire, ça permet d'éviter la surpression sur la pompe. Exactement. Donc, on ne force pas sur la pompe. Eh ben, je fais un petit flush. Voilà, on va faire un petit flush. C'est bon. Donc là, j'ai mis le filtre pressurisé. J'ai un mouture qui est un peu grossier, si je peux me permettre. C'était justement pour... c'était volontaire. C'est pour pouvoir montrer que le filtre pressurisé permet vraiment un résultat assez intéressant avec tout type de mouture. Donc le café moulu du commerce, le café moulu par le torréfacteur qui n'aura pas eu tous les paramètres en compte par rapport à la machine, la température et autres. Et donc tu vas voir que le résultat reste quand même intéressant. Non, mais ça reste vraiment intéressant. Parce que les filtres pressurisés, ça, on le voit surtout sur des machines entrée de gamme, mais vraiment des petites machines pas très chères. Et ça permet vraiment d'avoir un résultat plutôt bon. Et mais ça, vu sur cette machine à petit prix, ça ne permet pas d'évoluer avec le café, parce que ces machines petit prix ne proposent pas de filtre normal aussi. Exact. Donc ces résultats en pressurisé sont vraiment assez intéressants sur la machine. On a une bonne couche de crème à mousse qui s'est formée. Je te rejoins tout de suite, moi je suis déjà parti sur mon filtre. Il est vraiment bon aussi, on a vraiment un bon coup espresso. Vraiment assez bon. Je suis vraiment surpris sur le résultat en filtre pressurisé. Donc ça c'est un peu le deuxième étape que les gens feront avec cette machine. On commence par le pod. Passer par les pods, une petite dosette de SE. Ensuite, ils vont passer sur du moulu. Et ensuite, ils vont faire l'étape que j'ai en train de faire maintenant. Alors, ils vont essayer de ne pas se brûler en enlevant le filtre pressurisé. Et là, il utilise la petite technique de levier avec l'autre filtre. La petite technique du « je ne veux pas me brûler le bout des doigts ». Voilà. Parce que l'avantage du laitant, c'est que ça garde chaud. Le désavantage du laitant, c'est que ça le garde chaud. En gros, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc, je suis passé sur le deux tasses standard. Ouais. Et donc, on va pouvoir faire une extraction d'expresso à proprement parler. Ouais. Hop. Et ensuite, je vais sortir un petit peu de lait. Donc, tu vas nous montrer la buse vapeur qui est de ton côté. Qui est de mon côté. Cette fois-ci, il ne te déplacera pas. Il arrive des fois que qu'on change de place, on fait des saltos, rarement devant la caméra. Voilà. Donc, sur le filtre pressurisé, tu n'as pas tassé, mais là, sur le filtre égalisé, normal, tu vas vraiment faire comme un vrai barista, tasser le mouture correctement. Nettoyer les petites oreilles pour garder le filtre propre. Là, je vais faire un petit flash. Et voilà. Yep. Moi, je suis assez surpris par le goût du pressurisé. Pressurisé est vraiment bon. Mais c'est là où on va vraiment voir sur la machine si on a un truc. Si on a un café qui est sirupeux, si on a un café qui est vraiment bon avec un vrai bel créma, c'est sur une tasse, un filtre normal, bien sûr, simple. Bon, je pense qu'on peut l'arrêter. Et on a un truc qui est vraiment très joli.
Donc ça, alors, c'est forcément avec un moulin qui est réglé. Voilà, le moulin était réglé juste avant, donc là, c'est l'espresso à proprement parler. De créma, on a vraiment une magnifique espresso. Et qui, je pense, on va voir ça. Bien élastique. Et bien élastique. Donc là, tu vas nous pouvoir. J'ai pas sorti le gros tasse, tu vas nous sortir un petit truc en latte là-dessus. Bah, d'abord, je vais goûter ça. Ouais, forcément. Ouais. Si déjà. Oui, vraiment bon. On a une vraie attaque espresso. C'est le pressurisé était bon. Et là, on est un cran au-dessus. Parce que c'est le désavantage du pressurisé, c'est que tu peux jamais atteindre un truc comme ça avec un pressurisé. C'est pas ce qu'on lui demande non plus. Non. C'est... On peut aller loin avec un pressurisé, mais on peut pas faire la même chose que sur une filtre simple. Donc là, tu vas nous faire un petit latte. Un petit cap. Ah ben je vais faire un petit cappuccino. Il faudrait une tasse en plus. Ah, tiens, je vais en voler une du R60. Une tasse en plus pour laisser une tasse à cappuccino, une dose de café. Et ça va aussi nous permettre à Zune d'avoir un espresso à la fin. Ah ben exact. Je le boirai avant. Donc, tu as choisi un mignon pour aller avec la machine. Oui, le Reca Mignon qui est un moulin. Qui est un moulin qui permet d'avoir une mouture expresso tout à fait correcte, hein, et pour un très très bon rapport qualité-prix. Parce que c'est un moulin qui est des fois utilisé dans des bars. Tout à fait, exactement. Et donc là, moi je l'ai pris avec timer, sans doseur. Je préfère sans doseur. On est bon ? On est bon, il faut juste que je flash. Et ben voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je ramène tout mon attirail pour faire du lait. Hop. Et c'est parti. Donc là, il n'y a pas photo. C'est vraiment... On voit... On est sur de l'expresso. On est sur du vrai expresso. Sur du vrai bon expresso, en plus. Prends un petit moment pour boire un petit coup. Tiens, je vais l'arrêter là. Et du coup, tu veux que j'appuie sur le bouton pour monter celui-ci. En vapeur. Voilà. Et donc, tu vas voir que ça monte très vite. Pendant ce temps-là, bah, je vais te présenter la buse. Oui. Parle-moi de ta buse. Jean. Alors, je vais te parler de ma buse avec le bout avec deux trous. D'accord. C'est original. Donc, on est sur une buse toute inox. Oui. Avec donc un embout qui a été développé. Et ça fait partie des points sur lesquels on a travaillé avec. Ouais, parce qu'il faut dire que Jeremy est un peu obsédé par des buses. Exactement. Ça doit sortir un petit peu dans les vidéos quand on voit les différentes machines. Mais Jeremy, un de ses points pour juger une machine, c'est sur la puissance vapeur et par la forme de la buse, par s'il est sur un rotule. Donc parle-moi de ta buse. Est-ce qu'il est sur rotule ? Je suis le Jean-Pierre Coff de la buse. Alors en fait, cette buse... sur rotule, comme tu l'as dit. Pour l'angle parfait. Pour trouver le bon angle, avec une puissance, tu vas voir, vraiment très honorable. Et l'embout, on va pas pouvoir le voir, mais on est sur deux trous, ce qui est assez différent des machines de cette gamme normalement, qui en général a un trou. On est également sur une forme arrondie. Là, il est chaud, si tu veux commencer à monter ton... Je vais faire ça, donc on va commencer par enlever le surplus d'eau et également faire le flush. Voilà. Ouais, t'as une belle puissance là, je vois déjà. Ah oui, il y a de quoi faire. Maintenant, faudrait juste la maîtriser, hein. Ça c'est plus la machine maintenant. Et on est parti. Alors en fait, je te disais qu'il y a deux trous. Il y a deux trous, et en fait, ces deux trous permettent d'avoir un jet de vapeur multidirectionnel pour injecter plus facilement l'air. Et surtout provoquer un tourbillon. Là, tu le vois, hein, ça commence à tourner, ça va se lisser au fur et à mesure. On peut avoir un tourbillon très intéressant et c'est suffisamment rare sur les machines domestiques pour être signalé, mais là tu le vois, ça se lisse tout seul, il y a l'air qui a été injecté et ça devient onctueux, lisse. C'est tout ce qu'on attend d'une buse vapeur. Pour pouvoir vraiment faire du latte art. Et c'est là où on voit encore l'évolutivité. Non, c'est pas un mot. Sur la machine. Évolutivité, je dirais. Évolutivité de la machine. Mais il y a trop de syllabes. C'est qu'on peut commencer avec du pod, passer sur du pressurisé, ensuite sur du filtre normal pour sortir un bel créma, maîtriser sa buse pour se faire du plaisir sur du latte art et impressionner ses invités.
Et c'est ce que tu vas nous faire maintenant, tu vas nous impressionner avec un bon cours de la théâtre. Oh, tout à fait, je vais dessiner l'Empire State Building. D'accord, c'est impressionnant. J'ai hâte de voir ça. Donc, toujours le petit flush après, très important pour ne pas garder d'éventuels résidus de lait. Très important sur l'hygiène, sur le lait. Il ne faut pas plaisanter avec ça, parce que c'est comme ça qu'on devient malade. Surtout avec du lait chaud hein, qui reste en condensation. Donc, bien travailler. Là, je sais, je vais te faire revenir, mais si tu veux voir un petit peu... La qualité du mousse, parce que c'est vraiment... T'as vraiment des micro-bulles, t'as une jolie texture. C'est lisse, c'est vraiment lisse. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans la tasse. J'allais dire, il y a un expresso qui reste, mais on sait pourquoi. Et là, Empire State. Ouais, facile. Facile. Stade de France. Stade de France. Mais oui. C'est un peu plus facile, c'est rond. C'est pas faux. Hop. Ouais, un petit cas. Stade de France, il a pas cette forme-là. Bah, c'est une partie du Stade de France pendant les festivités. Voilà. Donc voilà. Non, mais on voit. L'important, c'est la texture. C'est la texture, c'est de voir que vraiment on a un résultat comme dans un vrai coffee shop. Et c'est bien, un vrai coffee shop, parce que dans un bar, on n'est pas toujours dans près un bar, ça, hein. On ne sera jamais sur ça. Mais l'important, c'est la texture, c'est le goût. Déjà, c'est une super texture, vraiment des fines micro-bulles. Grâce à cette créma, tu as réussi à avoir un dessin qui était vraiment sympa. Et on a... Finalement, sur cette machine, c'est une machine qui va monter en compétence avec la personne par les différents filtres. Et comme c'est une machine qui commence à utiliser des parties pro sur du inox, sur du laiton, sur une chaudière, vraiment une vraie chaudière, c'est une machine qui peut aller faire des choses comme dans un vrai coffee shop. Ça peut faire des choses plus simples si on n'a pas le temps, si on veut, si on commence ses pas dans l'espresso. Donc, du coup, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir montré cette entrée de gamme Aircraft. Et moi, je vais prendre le latte. Bon, ben moi, je prends le pichet. Hein. Et je vais laisser l'espresso pour le jus. Ça marche. Et je vais dire à la prochaine. À bientôt. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre, elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on en fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Ouais, pour toutes les voir, en fait. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, ouais, bah c'est là que ça se passe.